Salut tout le monde, c'est Brookie et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment être gros bonnet, donc chef des gros bonnets. Voilà, alors du coup pour créer votre entreprise gros bonnet, ce que vous devrez faire, c'est appuyer longtemps sur le pavé tactile si vous êtes sur PS4, voilà, pour activer le menu de GTA, voilà. Et vous allez aller sur SecuroServe. Et après, si vous êtes au niveau 30, je crois que c'est un truc comme ça, niveau 30, et je crois qu'il faut aussi un nombre d'argent, je crois que c'est 1 million, et bah vous allez cliquer sur s'inscrire en tant que gros bonnet. Vous allez définir le nom de votre organisation, genre moi, bro, voilà, hop. Là, donc c'est bon, vous êtes gros bonnet, voilà, gros bonnet, vous êtes maintenant le gros bonnet à la tête de l'organisation bro. Voilà, bah bro pour broquer, voilà. Après, faut aller sur SecuroServe gros bonnet et vous pourrez mettre genre engager des cartes du corps qui on peut trouver des gens à engager. Voilà, boum. Voilà, on peut trouver des gens engagés s'ils veulent être cartes du corps. Voilà, parce que après, quand on est gros bonnet, ce qu'on peut faire, on peut faire des défis gros bonnet ou des missions gros bonnet, voilà. Et le défi gros bonnet, c'est ce que j'utilise pour faire les vols en, les passages en caisse ou à la vidéo qui va sortir demain. Pour voilà, la vidéo qui va sortir demain, ça sera un où tu devras braquer le distributeur de billets. Voilà, il y a plein d'autres choses, mais il faut au moins un garde du corps. Voilà. Le truc par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que dès que je me déconnecte de GTA en ligne, quand je reviens, je suis obligée à chaque fois de re-aller dans SecuroServe et recréer mon entreprise gros bonnet. Est-ce que c'est normal? Je sais pas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Voilà, ça ferait super plaisir. Du coup, on peut aussi gérer l'organisation. Donc nom, on peut modifier le nom si on veut, mais ça va, ça sera à peu près 50 000, voilà, donc je vais pas changer. Après, on a le style, on peut avoir un style vestimentaire, voilà, comme ça. Et on va se mettre plus près, voilà, pour me voir. Comme ça, on a des choses, c'est vraiment bien. Genre comme ça, moi, j'aime pas, c'est moche. Ça, ça ici, ça passe. Voilà, vous avez des choses. Donc, moi, je vais mettre la normale. Et aussi, si vous voulez habiller vos gardes du corps, vous pouvez mettre, si vous voulez les habiller en SecuroServe, en Acropolo. Mais là, vous êtes obligé de choisir, voilà. Vous êtes obligé de choisir un habit qui est dans le SecuroServe. Dans le gros bonnet, moi personnellement, ils vont s'habiller comme ils veulent, mais garde du corps, je reste avec ma tenue. Et après, on a aussi, si on veut démissionner, et aussi, on peut avoir des véhicules gros bonnet, limousine armée qui coûte 20 000. À chaque fois, vous devez faire payer pour l'emmener, mais vous avez des véhicules gratuits. Genre, exemple, je voudrais avoir la moto Sanchez, hop, elle apparaît, on va aller la chercher qui est. Apparaît vraiment pas loin, voilà. J'ai une moto Sanchez. Après, par contre, je vais vous montrer un truc, c'est que vous ne pourrez pas. Attendez, on voit déjà la moto Sanchez, elle est belle, vous pouvez pas choisir la couleur, elle apparaît automatiquement avec une couleur là de base. Après, par contre, vous pouvez pas changer de véhicule comme ça, il devra être détruit le véhicule pour pouvoir le changer. C'est pas qu'il est détruit que vous devrez payer, il est détruit, vous n'aurez pas besoin d'appuyer la mutuelle mort automatiquement, ça va le remettre. Donc exemple, on va le détruire, voilà, je vais détruire avec cette arme là qui fait du dégât. Ah bah c'est bon, ah celle-là elle fait mal aussi. Ok, elle explose. Donc ça nous met le réseau de surveillance de SecuroServe nous a signalé que votre véhicule avait été détruit. Nous ferons notre possible pour le remplacer. Alors, on va juste appeler Lester comme j'ai les flics et c'est un peu chiant. Voilà, aussi vous avez accès à Lester. Il vous faut un niveau genre assez haut je crois pour accès à Lester. Dans une mission, bien sûr, il ne faut pas appeler Lester pour lui demander d'enlever les flics. Donc là, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Le véhicule a été détruit, juste aller dans le véhicule gros bonnet. Je dois attendre une minute. A few moments later. Et là, je dois attendre un. C'est bon, donc celle-là, vas-y. Je vous l'ai dit, bientôt il y a un micro qui arrive et un boîtier d'acquisition 4K qui arrive. Bien sûr, je ne pourrais pas rec en 4K sur la play. Je pourrais rec en 1080p, voilà. Mais bientôt, je vous dis, il y aura une très bonne qualité. Bientôt. Comment dire, bientôt. Ça ne sera pas vraiment bientôt, bientôt. Il coûte à peu près 200 euros ce boîtier d'acquisition de chez Avermedia, voilà. Et bientôt, il y a un micro qui va arriver aussi. Ça sera un micro à 25 euros parce que le style est très moche, mais il a une très bonne qualité de micro. Voilà, donc bientôt, tout sera modifié.
Alors, du coup, je vous ai tout montré sur le véhicule. Le véhicule, vous ne pouvez pas bien sûr changer quand il n'est pas détruit. La mission convenait, véhicule convenait, je peux pas, puisque le véhicule est à proximité d'un joueur. Faites gaffe, parce que si un autre joueur de votre organisation a pris un véhicule, vous ne pourrez pas le prendre. Voilà, c'est un peu relou ça. Du coup, je crois que je vous ai tout dit sur comment un gros bonnet et qu'est-ce que c'est. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire de grosses missions avec. Le mieux aussi, c'est que vous achetiez un appartement à la maison. Attendez, on va se mettre de côté. Voilà. Vous pouvez. Après, là, on a ce qui conserve, ok. Le truc, c'est par exemple, quand vous êtes tout bonnet, à chaque fois ça quitte les personnes qui sont sur le truc. Donc, c'est pas ajouter vos gardes du corps en ami sur la PS4. Donc, on va aller sur internet. Montrer un truc. Moi, j'ai pas les moyens d'acheter ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout les moyens d'acheter ça. Que voilà, j'ai qu'à 294 000 dollars. Voilà. Du coup, on va aller sur le site de la Maze Bank. Voilà. Pour acheter des grosses propriétés. Du coup, boum. Alors, donc là, on a toutes les propriétés ici. Voilà, vous pouvez acheter des un certain nombre de vidéos, voilà, une boîte de nuit ou un club de motards, mais si vous êtes voilà, vous n'avez pas besoin d'acheter un club mo de motards si vous êtes comment on dit gros bonnet, voilà. Du coup, on va pas aller là, je me suis trompée. Il faut aller ici, accéder au site. Là, vous avez toutes les propriétés un peu pour que vous pouvez utiliser le gros bonnet. Moi, je vous conseille ce bâtiment-là. Dans ces gros bonnets, ce bâtiment-là, il est bien. Après, vous pouvez acheter ce bâtiment-là, bien sûr, si vous voulez. Hein, sauf que il coûte plus cher. Voilà, vous pouvez voir qu'il coûte beaucoup plus cher. Du coup, on va se laisser là pour cette petite vidéo tuto. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker la vidéo en masse. Voilà, on est bientôt 400 sur la chaîne. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes, mais vraiment pas mal de personnes qui sont pas abonnées à la chaîne. Vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Voilà, ça ferait super plaisir. Parce que voilà, la liker c'est assez facile. Liker ou encore abonner, voilà, peut-être vous pouvez pas vous abonner, mais la liker c'est facile. Ça vous fait pas chier sur un nombre d'abonnements. Voilà, du coup, on va cesser là pour cette vidéo. Voilà, c'était Broky, ciao ciao.